Salut YouTube, c'est Brototo, le retour de Brototo d'entre les morts. On avait le 100% et puis il nous a dit non. Il a fait comme ça, il nous a regardé droit dans les yeux, il a fait c'est non. D'accord. Ok. Et du coup, nous on a fait ah oui. Voilà. Merci Léa. Nouvelle partie. Mais du coup, comment on les débloque? Oh putain, on va passer 1000 ans à les débloquer. Atteignez 10 dégâts à distance. 3 structures. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi une structure? Oh, je sais pas déjà, je suis perdu. Ramasser 20 consommables durant une partie. Hein? Salut, c'était Lou. Ah oui, on est des écureuils volants, bien sûr. Évidemment. Coucou, c'était Lou, ça va? Ok. Tuer un boss ou un élite en moins de 15 secondes. Ah, c'est possible, hein? Merci Bébert pour le subgift à Léa. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Merci. Merci. Tu es fou, mon Bébert. Il est fou, cet homme. Tuer un boss en moins de 15 secondes, d'accord, et atteignez plus 100 PV max. Mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va faire une petite partie en normal. Avec... avec le fantôme, peut-être. Attends, c'est quoi qui gagne le plus de PV? Non, qui c'est qui a le plus de PV? Oh, je sais plus, moi. PV max. Non, ça, c'est le vol de vie, ici. Non, ça va aller. Ça va aller, Léa. Verlando, merci pour tous les abos que tu m'as offert un peu partout. Ah, c'est beau. Bébert, il supporte pas ça. Si tu parles autant, tu dois avoir un badge, sinon ça va pas. C'est pas vrai. Hein. Vous gagnez des matériaux. Non, c'est pas ça. Attendez, il y a bien un perso. Peut-être le médecin, non? Il est où? Il est là, non? Ah, c'est le généraliste. Ah, c'est le bruyant. Généraliste. Non, ça, c'est les dégâts de mêlée. Ingénieur, entrepreneur, rapide, fantôme. Le fantôme, peut-être. Hein. Streamer, ça, on sait pas. Voilà, ça y est, on dirait qu'ils ont rajouté tous les persos, là. C'est la fin, là. C'est les 4 derniers. J'espère pas. Il y avait pas, le médecin? C'est quoi, le médecin? C'est lui? Non, ça, c'est le malade. Pas pareil. Ah, le médecin. Le docteur, pardon. Là, c'est de la régène. Myrte. Bon, en vrai, c'est peut-être mieux, ça. Vous savez quoi, on va faire une petite run de chauffe pour essayer de... Attendez, c'est quoi? 100 dégâts à distance. 10 dégâts à distance, pardon. Mais comment ça, atteignez 10 dégâts à distance et ayez 3 structures en même temps? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les structures? Mais non, mais je vais essayer de gagner de la vie. Ramasser 20 consommables durant une partie. Ah, les consommables, c'est les gâteaux, d'accord. Non, c'est pas si facile que ça. Ok. Ah, c'est des pièges. Du coup, il faut jouer... Il faudrait jouer un fantôme. Et 100 PV max. Tu es un boss, on élite à moins de 15 secondes. C'est tourelle, piège, etc. Ah oui, sûrement Scream. Je pense. Oui, je pense que ça, vous avez raison. Ah, alors attendez, on fait quoi, là? On fait un ingénieur. Peut-être que... Moi, je tenterai un fantôme. Un fantôme qui fait de la plus des dégâts avec les armes de type éthéré. Et on joue que avec si on peut, allez vas-y on fait ça. Par contre, voilà, on prend le sceptre et puis c'est parti quoi. Full spectre, sceptre pardon, et on essaie d'être ingénieur un peu. ça veut rien dire mais c'est pas grave. Allez non, pas 5. On prend un petit danger zéro pour essayer de débloquer le plus vite possible, d'accord? Allez, c'est parti. Il y a Endless aussi? Il y a sans fin? Vraiment? Allez, c'est parti. Quoi? Comment ça rame? Ah, les consommables, un consommable. Pour ramasser du pognon, en fait. Putain, ça fait trop plaisir de retourner sur un... Donc les arbres, on aime. On aime les arbres parce que... Bon, par contre, il nous faut absolument la vitesse d'attaque, là. Ça va pas du tout.
Des dégâts de mêlée, de l'armure, du vol de vie. En même temps, l'armure, on a moins 100, c'est pas ça qui va nous aider. Hein. Dégâts de distance, on va prendre ça. Un sceptre, oui. Comment ça, c'est nouveau ça, la lance de joute. Ah oui, il y a des nouvelles armes. On prend déjà un coupon, le sceptre, c'est sûr. Et la lance, ça fait quoi? Bon, déjà, c'est des dégâts de mêlée, je pense. Oui. Dégâts de mêlée et vitesse. Ah, ça augmente notre vitesse. Et moins... Ah oui, tant que tu bouges... Ah, c'est rigolo. Un build mouvement. Hop, 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 là. J'ai senti. Toujours plus d'XP et un peu moins de portée. Mmh. Ouais, j'aime bien quand même. Allez, c'est parti. Ah mince, le glace canon... Attends, mais là, j'essaie de débloquer les nouveaux persos. Ça scale sur la vitesse de déplacement. Oui, ça scale sur la vitesse, c'est rigolo. Hein, plus tu vas vite, en même temps, c'est voilà, c'est logique. Alors, on bouffe des gâteaux. On essaie de pas mourir aussi, c'est pas mal. Des PV max. Pourquoi pas, de la vitesse. La vitesse, c'est pas mal quand même, j'avoue. Salut sanglier. Ça fait plaisir de vous voir, mon cher. Comment ça va? Youch. De la portée aussi, pas mal, la portée. À la forme, ouais, un peu. Un peu fatigué, mais ça va. On prend un peu de vitesse. J'aime bien pouvoir me déplacer. Hop. Ça fait quoi déjà? C'est quoi l'effet? Moins 2 d'armure. Bon, on n'est pas à ça près. En vérité. Des dégâts à distance. Ou de l'XP. On va plutôt prendre l'XP. Ça donne fun de parler de sanglier. On croirait entendre Obélix. C'est fou ça. Nouvelle mage Brototo, c'est cool ça. Oui. Nouveau perso. Alors là, c'est pas le nouveau perso, évidemment. Faut d'abord essayer de les débloquer. Alors du coup, je lance une petite partie comme ça pour le fun. Normalement, on devrait... Vite, 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 un gâteau. Là-bas. Oui, c'est bon. Je l'ai eu. Je sais pas combien j'ai eu de consommables là, mais... Je pense que sur ça, c'est facile. C'est faisable. La vitesse d'attaque, ouais. PV max 17. Et PV max et dégâts de mêlée, non. PV max et régénération. Pourquoi pas? Je prends. Randomization. Ça augmente quoi les dégâts, ça? Oui, ça je prends. Allez, c'est parti. On va chercher les arbres. Bon, déjà parce qu'il peut y avoir des caisses, certes, mais surtout pour les consommables. Après, on s'en fout dès qu'on aura les vins, qui devraient pas tarder, hein, en vérité. Attends, on n'a pas beaucoup de PV là, on gagne pas de PV là. Hop hop là, allez. Ok. Vin en une vague, sinon trop simple. Oh, je pense pas, non. Non, c'est vin en une partie de mémoire, non? Dégâts à distance, vas-y, randonne-moi ça là. Ça c'est mieux. La récolte est pas mal aussi. Non, je prends la vitesse quand même. Ah, de la portée, de la régène et le PV max. Non, on veut les PV max. Là, on est vraiment là pour essayer de... Oh, un appât, qu'est-ce que c'est que ça? Nouvel objet. Du 8% de dégâts, les ennemis spéciaux apparaissent au début de la prochaine vague. Ok. Ah, alors attends, il faut atteindre 100 PV, 100 PV max en une partie. Merde, je sais plus. il faut ramasser 20 consommables en une partie. Je crois que c'est en une partie. Hein. Tuer un boss ou un élite en moins de 15 secondes. Là, c'est pas sûr que ça arrive. Hein. On n'aura pas le build. Mais 8%, les ennemis spéciaux apparaissent au début de la prochaine vague. Vas-y, je suis curieux. Manger du sanglier grillé, et je me souviens plus du quatrième. Do you remember? Un revolver? Oh, c'est nouveau? Trop bien. Vas-y, j'ai envie de le prendre quand même. On a combien de portée? 7. C'est nul. Je suis obligé de prendre ça par contre. J'ai envie de prendre ça aussi. Recharge? La recharge est de 3 secondes tous les 6 coups. Ah ouais, non, mais.
On verra plus tard, attendez, on va voir plus tard. Là, je vais essayer de maximiser mes chances de faire ce que je veux, là. Vraiment, les 100 PV, il y a moyen, là, avec lui. Oh là là, c'est quoi, ça? C'est nouveau, ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces ennemis? Oh, ils sont vénères. Ils sont si vénères. Je vais canner. Je vais canner. En plus, j'ai pas de régène. J'ai rien. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je sais plus faire des esquives. Les esquives. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Oh, l'appât, jamais, il faut pas prendre l'appât. Oh mon dieu. On l'a refait, on l'a refait. Oh, fait chier. Ok, d'accord, bon. On découvre. On découvre. Oh mon dieu, rip. Rip l'appât, quoi. Peut-être un rip spécial de l'appât. C'est pas grave. La vitesse d'attaque, oui. Ça, c'est danger zéro, là. On a choisi le danger zéro. J'ai réussi à mourir en danger zéro. Comment est-ce possible, alors? Ça, c'est très bien. Je commence avec un PV, mais j'ai aucune régène, non? C'est ça? J'ai aucune régène, aucun vol de vie. C'est très, très, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Vous, c'est vraiment très mauvaise idée. Quoi? Ah, ça y est, ça commence. On va garder de l'argent, c'est pas grave. Ben, en fait, c'est les mobs de l'appât. C'est un nouvel objet, visiblement. Tu gagnes plus 8 dégâts, 8% de dégâts, je veux dire. Par contre, t'as des mobs spéciaux qui arrivaient. Ça, c'était les mobs spéciaux du... Ils sont très, très énervés, quand même. Pourtant, j'avais un peu de vitesse de déplacement, mais... En plus, je connais pas leur pattern, alors là... C'est le merdier. Ah, putain. C'est con, parce qu'on avait bien avancé sur les consommables. Et peut-être moyen. Ah, j'aurais pu aller voir sur les dans le menu. 2 PV max, 5%, plus 5, plus d'ennemis. Allez, vas-y, c'est pas grave, ça. Régénération, esquive, récolte. Vitesse d'attaque, c'est bien. Dégâts à distance, dégâts alimentaires. Non, 3 de vitesse, j'ai pas envie de perdre la vitesse, ça, j'en ai besoin. Les armes en avant-coup, 7, c'est très bien. Et ça, c'est bien. Par contre, je vais le combiner d'aide. Combiner ça direct. 3 PV max. Oui, c'est très bien. On garde tout. Je garde tout. Pour l'instant, j'ai pas besoin de 4 armes là. Ils vont mourir gentiment. Et plus vite, je peux faire des. Je peux faire plus de dégâts en plus. Et plus vite, je peux tuer. Puis je peux atteindre. Vite, 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 vite. Ah, c'est une caisse. Mais c'est très bien aussi, c'est très bien aussi. Quoi qu'il arrive, là, c'est intéressant. Esquive récolte, dégâts de mêlée, dégâts à distance. Non. Vas-y, on recycle tout ça. Les chances de crit. Nous fait un peu de chance aussi, dégâts à distance. T'as pas un peu mieux? La portée des dégâts. Pas pour les dégâts. Moi, je dis on met ça. Et je combine les deux, là. Et on garde. On dépense pas. Après, on est pas mal. On peut, ça vaut le coup d'essayer de les tuer. Bon, par contre, il va falloir qu'on se décide un petit peu. C'est juste au moins au départ. Je vais les enlever de toute façon. Je pense que le silex, je vais l'enlever ou je vais le virer au bout d'un moment. C'est juste pour essayer de gratter potentiellement un peu de vie. Putain, mais on a plein de... Ouais, c'est pas mal, mais... Ok. On a gagné de la vie ou pas? Ouais, peut-être. Hein. Les brûlures se propagent. Vas-y, pourquoi pas. Pour 9, de toute façon. Vitesse d'attaque. Chance de crit. Des PV max. De la chance. On va prendre de la chance aussi. On en a besoin. Ah, pourquoi pas, hein. Alors là, pas, non merci. Ça va aller, quoi. On va pas le faire la même erreur deux fois. Gain d'XP, un peu moins de portée. J'avoue, la cicatrice est en tente. Ça, on prend, c'est sûr. Ça aussi, mais on va combiner. On va en garder qu'une seule.
20% d'XP quand même, c'est pas mal. Hein. Vas-y, on partira dessus. Les consommables, faut qu'on en bouffe. On bouffe les gâteaux. Tu connais un peu le jeu, ouais, sanglier, je sais plus. Je sais plus trop, je crois pas qu'on se soit connu sur notre période Brotato. Ah, plein de gâteaux, ça c'est bien, ça c'est bien. El gâteau, el gâteau. On est sponsorisé El gâteau ce matin. Ok. Encore des gâteaux. Je pense pas, 20 en une part, c'est beaucoup quand même. Enfin, 20 en une run. Une vague, quoi, ça me paraît beaucoup. En même temps, c'est vrai que c'est trop facile, sinon. J'ai pas play, mais ouais, ok. 30 de portée, ça c'est assez important, je pense. On va pas prendre le silex, par contre, c'est sûr. Caillou, armure. Des balles en argent. 25 dégâts contre les boss et les élites. Bah oui. Alors, attendez. Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez. Non, je suis obligé de prendre ça, là. Contre les boss et les élites, c'est pas mal ça. En vrai, attendez, on va faire ça. Ça. Et on va combiner. Et on va y aller. Oh non. Oh la belle pioche. Vas-y, on reste là-dessus. Allez. Oui, ça proc plus souvent avec la chance, ouais. En fait, tu... T'as les meilleurs objets. Au shop, de manière générale en fait, de manière globale t'as de meilleurs objets. Allez, on monte nos PV là, faut qu'on monte nos PV. Hein. Donc, j'ai de la vitesse aussi, parce que j'ai 0 vitesse là, non? Non, j'ai 0 vitesse, ouais. Tu as 0 plus 1. Les gâteaux. Allez, gâteaux. Contre les élites, c'est fort quand même. Ah, faut pas que j'oublie aussi que... Faut pas que j'oublie que je peux canner à tout moment, merci. Ok. Ah, de la vitesse d'attaque, c'est cool. Le trapu pour les 100 PV, ou le démon, c'est easy. Ah, c'est le trapu, je me souviens plus. J'entends rien, mais je passe dire bonjour. Salut Hugo. J'espère que tu vas bien, c'est gentil. C'est gentil de passer. Randomise. Non, 5% de dégâts, un dégât à distance. Allez, ouais, c'est pas extraordinaire, mais c'est beau quand même. Est-ce que j'ai assez? Ah, mais je peux pas tout prendre, myrte. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une élite? Non, il y a pas d'élite de toute façon là. Mêlée, armure. Non, vas-y, on va garder notre argent. Ah, peut-être. En vrai, peut-être de l'esquive, c'était pas mal aussi. Je vous aime. Je vous souhaite à tous le meilleur bonheur puisse exister sur cette merveilleuse journée si spéciale. Oh, quelle piété de situation. Nous sommes mignons. Merci Hugo. Attendez. Désolé, ça va couper la musique, mais je suis obligé. Qu'importe. Ah, quelle piété, je me disais bon. Allez. Ah, j'envoie moult cœur à notre cher Hugo. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Une petite caisse. Bon, je crois que j'ai vraiment le sentiment. Piu. Le sentiment que notre silex ne nous sert vraiment. Rien. 20 consommables durant une partie, c'est bien ça. C'est bon, on a débloqué un perso. Bon, on pourrait partir, mais non. On peut en débloquer deux là sur cette partie, il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen. Une tourelle, ah bah oui. Bon après, combien il en faut? Ah oui c'est ça, il faut qu'on ait des... Oh je sais plus. Ah oui. Sanglier enfin. Récolte, vol de vie. Vas-y, pourquoi pas. Ah, 12% de dégâts, c'est beau. La vitesse d'attaque aussi, c'est pas mal. Mais les 12%, je prends. Alert. Ça, je prends.
De l'esquive de la récolte, dégâts en moins, non. Non, moi j'ai pas de la vitesse en moins. Par contre, j'ai besoin de vitesse, moi. De la chance et des dégâts élémentaires en moins. Ouais. Ah, m'en fous, hein. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Myrte. Un sécateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Génère un jardin qui crée un fruit toutes les... 14 secondes? Comment ça? Ah, c'est un fruit, c'est pas un gâteau. C'est le jour de l'amour. Faut en donner à tout le monde, tiens. L'emote triste est malvenue. Il n'y a pas d'emote triste, là. Il n'y a que des cœurs partout. Attendez. Non, vas-y, je garde mon argent. Par contre, tuer le boss en moins de 15 secondes, ça me paraît un peu compliqué, là. À moins qu'on monte les dégâts de dingue. Après, pourquoi pas, hein. Après, on est que en... On est en danger zéro, donc bon. C'est censé aller quand même, non? J'en sais rien. Je dis ça, je suis cané comme un caca tout à l'heure. Mais j'étais surpris par ce nouvel objet, c'est obligé, c'est ça. Donc plus besoin de ramasser les... Forcément ramasser les gâteaux. Les gâteaux. Il nous faudrait d'autres trucs là. Les brûlures s'activent 10% plus rapidement. Ouais, mais non. Vas-y, on n'en veut pas. Vitesse d'attaque. Il n'y a pas de la vie. Enfin, de la vitesse, je veux dire. La vitesse d'attaque, c'est bien. Non, mais les dégâts. Les dégâts. Je veux mettre pleine cartouche. De la régène, de la portée. Peut-être la portée. On a combien de portée? 22. Ouais, c'est pas mal déjà. Un peu de régène aussi pour la sécu. Ça fait plaisir, Hugo. Va, va, va. Bye bye. Non. 15 PV max, plus 8% à vitesse des ennemis. Ça va mal se passer, ça. Non, mais vas-y, ça me plaît pas. Au secours. Tous les 18. Y'a pas une arme un peu mieux là. C'est quoi c'est... Non mais je m'en fous de tout ça moi. Doubler la valeur, l'ingénierie, des dégâts en moins, mais non. Ah, une tourelle. Ça c'est bien. Dégâts à distance, 25 portées, la vitesse d'attaque en moins. Ah, ça vaut le coup quand même. Alors on part là-dessus. Et je pense qu'on va combiner... Attends, c'est combien? C'est 16 et ça c'est 18. Ah, quand même, il y a moyen. Il y a moyen. Vas-y, on va rester comme ça pour l'instant. Oh, mon bébé. Pleine force à toi. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, je voulais t'envoyer un message pour prendre des news un peu de tout le monde, là. C'est pas pour que tu répondes maintenant, Weber, mais... Juste pour dire que je t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié aussi un prix chaud. On a 60 PV. Bon, il y a sûrement plus rapide. Hein. Mais je me suis dit, bon, ce perso on le connaît, ça, c'est pas mal aussi pour reprendre. Je dis ça, mais attention. Hein. J'ai pas de vitesse aussi là. Il m'a pas proposé de la vitesse. Je randomise un peu pour avoir de la vitesse hein, si besoin. Si j'en ai pas là, il m'en faut. Il m'en faut absolument. Give me the vitesse, please. De l'armure, de l'esquive. Oui. Non, allez, vas-y. Vitesse dépla... Ah, la vitesse, merci. La régène. Ingénierie. Régène 4. Non. Mieux. Il y a mieux. De l'esquive, 9%. Et la vitesse d'attaque. Allez, l'esquive. Ok, go. Ah, une tourelle. C'est un peu con, mais c'est pour débloquer. C'est pour débloquer le truc. Je prenais pas ça normalement, mais bon. Oh, ouais, on continue.
Un coup critique, on a zéro de chance de critique, ok. Non, non. Riposte, qu'est-ce que c'est ça? 2 dégâts de mêlée, plus 2 dégâts de mêlée, 50% de chance d'infliger 1... Attends, 300% dégâts à un ennemi lorsque vous esquivez leur attaque. D'accord. Ok. Incroyable. Un sceptre, pour le plaisir. Moi, je pense qu'il nous faut d'autres armes, là. C'est vraiment de la merde. Au secours! Re-Hugo. Bon, je sais pas si ce sera suffisant. C'est pas grave, on a débloqué des trucs. Moi, je veux juste arriver à... Je veux juste arriver à 100 PV, là. Allez. Allez, 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 allez. Allez, on y va, allez, allez. Allez, allez. Trône de chauffe, là. J'aurais pu le faire hier à 4h du mat, quand même, ça. Oh là. Ouais, ça. C'est pas pro, hein. Ça, c'est pas pro, hein. J'ai vraiment pas de vitesse, il m'en faut un peu plus quand même. Enfin, pas assez en tout cas. 6% c'est pas assez. Moi je suis bien à partir de 12 ou 13% de vitesse minimum. C'est vraiment le minimum, hein. Par contre ça monte bien là. Les PV là. Ok ok ok. 83 c'est bien, c'est bien. Allez on gagne. On sait peu importe si on gagne, c'est pas très grave en vrai. Je garde de l'esquive. 81, on est quasiment au max. En vrai, on va se mettre un petit revolver là pour tester, pour rigoler. Pour rigolol, quoi. Dégâts à distance plus 3. Non, mais c'est vrai que c'est un peu famélique. Non, vas-y. Un marteau plasma? Ben non. Mais vous avez pas des trucs à distance? Vous avez pas compris? Le jeu, il a pas compris. 3 PV max plus 1 PV max tous les 100 matériaux que vous avez. Ah mais c'est bien ça. Oui mais non mais on va monter tranquille, il n'y a pas besoin de ça. On peut prendre le pistolet mitrailleur mais c'est pas fou. Du vol de vis c'est de la merde. Mais vraiment. Et plus d'arbres pourquoi pas, ça peut nous sauver le huc mais il y a quand même plus sympa là. Non mais vraiment. De la merde, de la merde. Ah oh mais non, non, toujours pas, non. Non, non, non. Je suis excessivement déçu. Ah, c'est nouveau ça, adrénaline. 5% d'esquive, d'accord. 50% je vais récupérer 5 PV lorsque vous esquivez une attaque. Ah, c'est très bien ça pour nous. On a quand même... on a quand même 90% d'esquive bientôt, là. Ce qui, en soi, pas dégueu. Je vais garder mon argent. Live, ce n'est pas le bureau des pleurs, donc une petite statésino, bien sûr, non, c'est pour ça, je ne voulais pas forcément, mais je voulais juste te faire un petit clin d'œil. Si, pas forcément très, très joyeux, mais... Bref, c'est compris, BBR. Je pense que c'est l'essentiel. Et merci de votre compréhension, mon cher BBR, pour changer. Pour changer. Ah, c'est pas le build le plus efficient que j'ai jamais vu, hein. En vérité. J'ai juste pas envie de canner. Pas avant d'avoir récupéré les 100 PV. I want the 100 PV, please. Bon, après, pourquoi pas, hein. C'est pas si dégueu que ça, mais... C'est pas non plus de dingue, hein. Ok. 12% de dégâts de la portée. Si, si, on va prendre les 12% de dégâts. Je suis fatigué, mais j'arrive pas à dormir. Myrte. C'est OP adrénaline comme item avec ce perso, mais grave. Qu'est-ce que c'est que ça? La main ensanglantée. 12% de vol de vie, plus 2% de dégâts pour tous les 1% de vol de vie que vous avez. Vous recevez 1 dégât par seconde. Ah ouais, mais non. Non, merci. Hop là. En tout cas, c'est pas mal. C'est cool, on a découvert quand même pas mal d'objets. Je sais plus combien il y a d'objets dans la... Dans la... Ah, attendez. Ça, c'est une structure, ça? Non, c'est pas une structure. Myrte.
Les dégâts de mêlée. Je sais pas combien il y a d'objets dans la mise à jour. Le courage des liens. Contre les moutons. Ah oui, c'est cool, ouais. Bon, il n'y en a pas énormément non plus, hein. Il n'y en a pas 1000, mais... Un petit hypnose. Ah oui, c'est vrai, attendez. Tant que j'y pense. Aga de recharging my montre. Hop là. On a fait une séance d'hypnose hier, ça s'est très bien passé. Hein. Un peu moins de portée. Toujours plus d'esquive. Je suis accompagné. Bah, je suis au max là. Allez hop. Je suis au max comme ça. Je suis au max d'esquive et puis rien à foutre. Un peu de récolte. Pourquoi pas. Ça c'était peut-être pas utile. Non, mais vraiment, et les... par contre, il n'y a rien là. Bah, le jeu me troll un peu quand même. Je sais pas si ça va marcher. Faut au moins que j'arrive à 100. Après, je m'en fous. En faut de gagner. C'est combien de structures? 4 4 structures dans une partie, sur une partie, c'est ça? Coucou mon poney. Comment ça va? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. Passé une belle nuit. En ce jour de la mûre. Comme nous l'a rappelé mon cher Hugo. C'est beau. Je me concentre parce que j'ai envie d'arriver à la... Allez. 2. 2 PV. Allez. Le robusta. Non, ça va. C'est-à-dire que là, je peux foncer, je me soigne de ouf, non? Attendez, regardez. Mais c'est craqué, le... Ah non. Ah si, c'est craqué un peu, quand même. Mais faut des dégâts à distance, mais je suis d'accord, mais il m'en propose jamais. True story. De l'armure, des PV max. Non, je m'en fous. Recycle-moi ça. Regarde, il m'en propose jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je vais randomiser. Non. Ah, de la vitesse, par contre, j'en ai besoin. Ah, je me sens un peu mieux déjà. Bon, ça, c'est utile. C'est un peu tard. Bon, quoi que c'est, vague 13. Hein. me disais que c'était plus que ça. Toujours pas quoi. Après, ah. Quand même, ça faisait longtemps. Attendez, Serdan n'est pas là, mais c'est pas grave. Ah, quand même. On va la prendre. Hein. Elle est là. Elle est là. Zévardi, ça faisait longtemps. Bon là je suis obligé de la prendre. Ça n'a pas de sens mais c'est pas grave. Toujours plus XP, allez, on s'en fout. Voilà. Là, c'est pro. Ça c'est pro ça. Le Silex Fantôme, vas-y on en prend. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oh. Oh. Oui. Eh oui. Non vas-y je randomise moi. Oh oui. Il me faut ça, je veux ça. Je veux un lanceur nucléaire. Ah non, mais c'est avec les dégâts. Ah ouais. Bon, en vrai, c'est pas grave, je prends un lanceur nucléaire quand même. Si j'arrive à survivre, je serai content en vrai. Allez, vas-y. On n'a pas amélioré notre équipement depuis notre équipement depuis 1000 ans. Ça a mal se passer, hein, je vous le dis. Hein. On est en mode, ça va mal se passer. Mais on a une casquette qui a le swag. Et on a débloqué 2 persos. Et ça, c'est beau. En vérité, c'est beau. C'est quoi déjà le... Attendez. Là, on a fait les 100. On a fait les 20 consommables. Ça, c'était les plus faciles, je crois. Et tu as un boss ou un élite en moins de 15 secondes. Ah, il y a moyen. Hein, si on fait vraiment un build vénère avec beaucoup de dégâts. Très peu... On fait un glass cannon, quoi. En hommage à Léa. Hommage à Léa, glass cannon. Oui. Bah le boss, oui, là c'est spécial pour toi. Là. À moins de 15 secondes, tu as un boss à moins de 15 secondes, faut y aller. Hein. Ou un élite. Mais du coup, il faut qu'on soit en danger 3 au moins. On verra ça plus tard. Mais là, ce matin, on... Bon, là, je vais essayer d'aller le plus loin possible, je vais pas m'avouer vaincu comme ça. Ah, dégâts distance, merci. 6. Mais quoi, j'ai pas assez? Tu fous ma gueule. J'ai plus de portée aussi. Par contre, j'ai 60% de dégâts, ça c'est beau, hein. Regardez.
66%. Ça n'a aucun sens. Un point enflammé. Mais non. Vas-y, je me tire, ça m'énerve. Allez, c'est parti. C'est les x2 là, faut que je les prenne quand même. On va se voir sinon. Putain, on a laissé plein de trucs par terre tout à l'heure. 121 vies ? Ouais, ouais. On esquive pas là ? On est censé esquiver, hein ? On est censé se soigner quand on esquive. Bah, je regarde ma vie quand même, mais... Ah si, ça marche, hein ! Aïe 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 ! Ça marche pas non plus à chaque fois, hein ? On n'a pas 100%, hein. Oups. Vas-y, ouais, on s'en fout. Dégâts à distance, la vitesse, oui. Ça, j'aime la vitesse. Lanceur nucléaire. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on fait? On va combiner ça. Moi, je prends un lanceur nucléaire. Ça fait toujours plaisir, un lanceur nucléaire, en vrai. Et on peut prendre, genre... Ça, ça sert à rien, hein, on est d'accord. Alors que le ciseau... Non, mais ça sert à rien non plus. Allez, glace canon, c'est pour toi Lilia. Si je reste en vie, je le prends. Hein. Allez, je garde mon argent. C'est pour toi. Glace canon est là. Tous les hommages sont là. Aujourd'hui, c'est beau. Ce matin, je veux dire. J'allais dire ce soir. N'importe quoi. Ah si, quand même, ça... C'est pas mal contre les petits mobs. Le lanceur nucléaire, quand même. Faut pas se mentir, ça fait du bien. Si on arrive à esquiver... Est-ce que le jeu est plus stable ou pas? Du genre, est-ce que ça va ramer? Ah, ça fait du bien d'avoir un petit peu de mouvement. Un petit peu d'esquive, pas d'esquive, mais de vitesse. Je vais y arriver. Mais rien n'est moins sûr. Ok, ok. Pas mal là, pas mal là. Oui, bien sûr. Des PV max. Non, vas-y, trouve un truc mieux. 7% de chance de crit. Après, pourquoi pas, hein? C'est... Pourquoi pas les crits? Allez, c'est parti. Ah, déchiqueteuse, non, ça marche plus là. Un chapeau melon, on l'avait déjà vu ça, je crois. Hein. Non, chapeau melon, c'est... je viens de me gratter l'oreille là. Et c'est parti! Oh, secours! Voilà. Là, c'est merci, merci. Tant que je suis immobile, non. À moins de 10% de vitesse, tu peux canner, mon gars. Tu peux canner. Pourquoi pas ça? Allez, je veux bien. Ah, déchirure, c'est pas mal. Non? Allez, petite déchirure là. Je suis déchirure. Alors je sais pas si je peux... Si, on sait jamais. Tu sais, dans ce jeu, tout peut arriver. Hein. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de savoir si déjà on va arriver à la vague 20, parce que... Pas trop de prétentiosisme. La prétentiosisme se retourne vite contre nous. Oui, oui, oui. On le sait, on l'a déjà vécu plusieurs fois. Hein. Ou à un moment donné, on a fait, oh, c'est bon, je peux traverser les... Mais non. En vrai, c'est, pour l'instant, c'est pas faux, là. C'est vrai que eux, c'est des bons tests, là. C'est vrai que ce lanceur nucléaire, quand même, il fait le café. Hein. On a beaucoup d'esquives. On a zéro d'armure, hein, par contre. C'est sûr que quand on prend un dégât, on se fait éclater. Hein, quoique, vous avez vu. Là, ça commence à être un peu plus tendu, là. Je suis obligé d'esquiver. Moi, j'aime pas ça, esquiver. Je suis obligé de faire des esquives manuelles. Vous vous rendez compte?
Le jeu m'oblige à bosser. Quoi, 278, mais j'ai tout laissé au milieu. Au secours. Faudrait voir pour changer d'arme. Si tu veux kill le boss, en moins de 15 secondes, c'est chaud là. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah surtout que si je prends pas d'argent. Prendre. Prendre la prochaine vague, attention. Hein. Ça va déconner zéro. Ouais, les dégâts distance, bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai perdu de l'esquive. Ah merde, j'avais pas vu. Dégâts distance, oui. Atteignez 10 dégâts à distance. Et de 3. Non mais là, moi, je veux des trucs qui explosent, là. Ah mais le jeu se fout de ma gueule. Vous en conviendrez. Vous conviendrez quand même que c'est de la merde. C'est bien de la merde. Allez, je me casse. Ils m'ont saoulé. Ah, ils m'ont saoulé. Putain, mais il me file rien, le jeu. Attendez, mais c'était quoi? Dégâts à distance et 3 structures, c'est ça? Oh, je sais plus. On s'en fout, on l'a fait. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait du suspense là. On n'a pas fait du challenge. On fait pas du challenge là. Faut vraiment que. Tout à l'heure, il va falloir. Si j'arrive jusque là, encore une fois, la prétention, attention, attention. Ouais, il est censé y avoir beaucoup de x2 là, non? Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça va être compliqué pour le boss parce que... Là, il faudrait que je défonce tous les mobs, là. Hein. En vérité. Ce qui n'est pas le cas du tout. Où est l'argent? Merci. 165 de vie, c'est bien quand même, ça. J'avoue, pas mal. 10%, 12% de dégâts, oui. Une barricade. Non, ça, on s'en balèque. Toujours plus de dégâts. Moins de portée, bon, pff, 7 de portée. Bon, qu'est-ce que c'est de la portée finalement? Faudra juste être collé, serré. Un jardin, génère un jardin qui crée un fruit toutes les 15 secondes. C'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau ça. Il y a une arme aussi qui fait ça, je sais plus ce que c'est. L'arrosoir, ou je sais pas quoi. De la vitesse, des PV max, des dégâts, des chances de crit. Ouais. Ouais, allez, pourquoi pas. Il y a de la vitesse, ça m'intéresse. Ah, lance-pierre, peut-être. Bref. Ah, je sais pas. C'est pas ça, mais... pour l'instant, voilà. On va combiner, c'est un peu mieux. Je suis pas sûr, la médaille non plus, voilà. Ah, ça va pas le faire. Vraiment, c'est pas le meilleur deal. Hein. Le lance-pierre, c'est pas le meilleur deal. Ah, surtout que je suis con en plus, parce que si j'enlève une arme éthérée, je perds des stats. J'avais oublié. J'ai plus les bons réflexes. Je suis plus huggy les bons réflexes. Merde. Ça, c'est un problème. On prend la caisse. Ah, même plus j'ai de prendre les caisses, c'est vrai. On peut les laisser là, elles sont récupérées à la fin. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien fait, ça. Ça, c'est un jeu comme on les aime. C'est un jeu qui nous tient par la main. Et c'est un jeu qui nous tient par la main et qui nous jette dans la lave. Bon, voilà. Il faut bien qu'il y ait un peu de suspense, quoi. Hop là, hop là, hop là. Esquive. Je veux du pagnon. Je veux aussi ne pas canner. Merci. Merci à vous. Voilà, là, les esquivons. 360, c'est pas beaucoup. De la vitesse, de l'ingénierie, moins de dégâts critiques. Non, c'est bon. 15 de vitesse, ça devrait aller quand même. Des dégâts élémentaires, on s'en fout. Une tourelle, on s'en fout. De la récolte, on s'en fout. C'est pas mal, ça. 25% de chance de mettre 14 dégâts. Allez, vas-y. C'est toujours mieux que rien. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. 111% de dégâts quand même. Hein. En plus. Salut Wandichet. Comment ça va Wandichet? Mais j'ai pas vu Wandichet. Quoi?
Mais je vois pas. Je suis bigleux ? Ou elle a dit bonjour il y a 1000 ans ? Ou alors Bébert, tu dis bonjour sur un autre stream peut-être. C'est possible. Attendez. On randomise ça ou pas ? Il nous faut un truc quoi. Dégâts à distance, bah oui. Moins 3 de vitesse. Je vois mieux que toi, mais... Mais mon chat, il est bloqué ou quoi ? Bon, le dernier message que j'ai, c'est un message de Sanglier de Provence. Et après, c'est toi, Bébert. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Elle est en lurk. Ah, mais non, mais... Mais enfin, embête pas les lurkers. Ah vite, est-ce que je vais pouvoir survivre ? Je comprends mieux. J'ai cru que c'était le bug. Tout va bien. Eh ben embête pas les seniors. Je sais de quoi je parle. On les tue pas assez vite là, ceux qui nous foncent dessus. Ça peut mal tourner à tout moment. Vous voyez, genre comme ça là. Voilà, t'as beaucoup de vie, trop de vie. Ils ont trop de vie. On reste pas dans un coin là, non, c'est bon le gang bang. On connaît. Si vite arrivé dans le... Je l'avais pas vu. Ne jamais revenir sur ses pas. Très très mauvaise idée dans ce jeu. Je galère hein, quand même. On n'aura pas tous les succès. On n'aura pas débloqué tous les succès là, ça m'étonnerait. Elle m'empêche de dormir la nuit. Quoi ? C'est impossible. Vous avez pas des trucs ? Allez, vas-y, on s'en fout. 16 dégâts. La régénération de PV est doublée lorsque vous avez moins de 50% de PV. Ah, pas mal. Pas mal, mais ça suffira pas. Il nous faudrait un autre lanceur nucléaire, par exemple. Ah, ça, c'est dommage. Mais ça ne sert à rien. Vous avez pas une arme, une vraie arme, là ? Mais le jeu ne me propose rien. Je m'en fous du silex. Je fais des dégâts à distance. Un pistolet sniper. J'ai pas assez. À moins que... Attendez, je vais vendre ça. En même temps, ça tire toutes les 1 seconde, mais ça fait mal. Ah mais quoi ? Wandy Chat est là ? J'ai sursauté ? Bonjour tout le monde. Coucou Wandy Chat. Mais c'est Bébert là, il nous réveille de notre lurk. On était tranquille en lurk Wandy Chat et puis Bébert il casse tout. Allez je recycle. Paf. Je prends ce pistolet sniper et je prie. Il est où le boss ? Il est où ? Ah. Bah 15 secondes c'est mort. Hein. Bah oui on lui fait rien là. C'est fini. Bon bah tant pis. Bon, on va essayer de gagner quand même. Dommage parce qu'on lui fait, on lui met des cartouches quand même. Hein. Aïe. Mourir ? Bah oui c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Ou sinon on peut gagner. Bon après voilà danger zéro. Danger zéro. Mais on a débloqué 3 trucs. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Alors, on a débloqué qui ? Oh ! Ah merci beaucoup. En plus, je viens de revenir au bureau. Le son est faible, mais mon sonotone était en alerte. Oui ! J'imagine. Le glouton. Allez, c'est parti. Donc, on a débloqué le glouton, la liche et le cyborg. Oh là là, ça n'en finit jamais. On commence avec un minigun. J'aime beaucoup le cyborg, déjà. Alors, plus 50 de chance... 1% de dégâts d'explosion lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. 1% de dégâts lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Les consommables ont 100% de chance d'exploser. Hein ? Un bit de gâteau. Ah, mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis des jardins qui font des gâteaux.
Plus 25% des prix des objets et moins 25% de gain d'XP. Ah. Ah, intéressant ça. Intéressant. Mais du coup, avec les nouveaux objets, c'est intéressant. Je pense à vous, je réfléchis toute la nuit et du coup, je dors pas. Arrête de me faire ce genre de choses. Faut plus me donner des énigmes. Oh là là, terrible. La liche. Donc 10 de régénération de PV. 10% de vol de vie. %100 de chance d'infliger 429 de quoi ? De dégâts à un ennemi aléatoire lorsque vous vous soignez. Mais pourquoi ? Ah mais c'est en fonction des PV. Oui d'accord, ok. Ah, ok. Non parce que là c'est craqué parce que c'est en fonction de mes stats actuelles là. Et comme j'ai 189 de PV max, forcément ça va, c'est fort. Ok. Les modifications de dégâts sont réduites de 50%. Ok, rigolo, rigolo. 100% de chance d'infliger des dégâts lorsque vous vous soignez. Mais ça veut dire quoi ? À chaque fois, par exemple, quand on a de la régène, est-ce que la régène, c'est du soin ? Oui. Et ça veut dire aussi que le... Mais... Attendez, pardon. Ah voilà, c'est mieux. Désolé. Est-ce que c'est de la... Attendez. Est-ce que le vol de vie... Oui, le vol de vie, c'est du soin, on est d'accord, mais est-ce que la régène, c'est du soin ? Ça veut dire que toutes les secondes, là, on peut mettre... pas 400, parce que là, c'est encore une fois en fonction de mes stats. Donc, on commence avec une minigun, avec le cyborg. Ok, les modifications de dégâts à distance sont augmentées de 250%, d'accord ? 100% de vos dégâts à distance sont convertis temporairement en ingénierie, à la moitié d'une vague. Un dégât à distance égale... De ingénierie. Les modifications d'ingénierie sont réduites de 75... Quoi ? Les modifications de dégâts de mêlée sont réduites de 100%. Les modifications de dégâts élémentaires sont réduites de 100%. J'ai envie de faire un cyborg direct. J'ai envie de tester le cyborg direct. Commencer avec un minigun, c'est jamais arrivé de toute la vie. Bon, YouTube. C'était la run de décrassage, la run de déblocage. Décrassage et déblocage, on va l'appeler, d'accord ? Décrassage et déblocage. Décrassage et déblocage. Incroyable. Prends soin de toi, YouTube. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour ce retour. Le retour du fils prodigue, de la casquette, tout, la totale. Incroyable. Vol de vie régène, ça marche. Run de rodage, exactement. Décrassage. Décrassage et déblocage. Je vais le noter, ça. Je vais le noter. Décrassage et déblocage. C'est pour toi, hein, YouTube. Hein. Sinon, je vais oublier. N'hésite pas, en tout cas, à mettre un petit abonnement, la cloche, évidemment, si tu veux voir la suite de tout ça et d'être notifié. Tu sais bien, toi-même, tu sais, tu es habitué maintenant. En tout cas, prends soin de toi, YouTube, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Brototo. C'est sûr, le 100% n'est plus là. Mais nous, oui. Eh oui.